Merci beaucoup. Toi, le Mamadi, assassin Doumbouya, l'ethno Doumbouya, Mamadi, je dis à bas le CNRD. Écoutez-moi, vous qui appelez Fatou, tu sais, hey, écoutez-moi, je ne travaille pas pour quelqu'un. Hein. Je ne suis pas payé par quelqu'un. Même Facebook ne me paye pas. Écoutez-moi très bien. Je suis contre l'injustice. Je suis sorti devant vous tous ici. J'ai dit quoi? Je dis, Mamadi Doumbouya, moi, je vais te soutenir. Je soutiens cette transition. Je l'ai fait, oui ou non? Vous pensez que c'est parce que je le connais ou parce qu'il peut m'apporter quelque chose? Moi, j'en ai rien à foutre avec tout ce qu'on m'a dit. Hein. J'en ai rien à cirer avec lui. Moi, j'aurais voulu connaître Doumbouya dans le passé. Ça allait me faire plaisir. J'aime pas connaître quelqu'un quand il se dit qu'il a le pouvoir ou quand il se dit qu'il a la force. Parce qu'il va même pas te considérer. Il va pas croire en toi. Donc, moi, je suis cette personne. Je veux connaître les gens dans le moment où ils ont besoin des gens à leur côté. Comme ça, demain, ils sont présents ou ils sont multimillionnaires. Ils vont dire, ah, telle personne, il n'est pas là pour mon argent. Il n'est pas là pour mon pouvoir. Elle n'est pas là pour mon argent. Elle n'est pas là pour mon pouvoir. Elle est là parce qu'elle a toujours été là. Je suis cette personne, moi. Donc, c'est ce qui fait qu'avec Doumbouya, c'est même gauche pour moi d'aller vers lui, en fait. Il n'a rien à me donner. Il peut rien me donner. Je suis contre l'injustice. Mamadi Doumbouya, écoute-moi très bien. Je vais faire jouer cette partie-là. Mamadi Doumbouya, tes conseillers, ton 1m20 qui te fait des discours bidons, zéro là. Attention à ce que tu dis. Attention aux mots qu'on t'écrit. Tu ne ressembles pas. Hier, avec les commerçants, tout ce que tu as dit, hey, quand les gens là t'ont regardé, ils ont même eu peur de tout ça, ils ont eu pitié de toi. C'est des hommes qui connaissent la vie, qui connaissent le monde, qui a travaillé tous les pouvoirs de la Guinée, de Konté. Il y a d'autres parmi eux là-bas, de Sékou. À toi aujourd'hui, ils sont là-bas. Donc tu ne peux même pas les effrayer. Tu ne peux pas les intimider. En fait, ils te voient, ce qu'ils ont même pitié de toi parce que tu ne connais pas c'est quoi la vérité, en fait, c'est quoi la vie. Mamadi Doumbouya, peuple de Guinée, si vous ne cherchez pas ce farfelu, si vous ne cherchez pas ce techno, si vous ne cherchez pas ce assassin, ce voleur, il va nous tuer tous en République de Guinée. Eh, vous avez vu ce qu'il a dit? Que ces ministres n'ont qu'à chacun 50 hectares. Ils vont enlever l'argent là-haut. Mamadi Doumbouya, tu veux pousser tes ministres à voler? Tu veux pousser tes ministres à s'installer, à s'asseoir? Est-ce que toi, tu es normal, Mamadi Doumbouya? Tu peux demander au ministre, Mamadi Doumbouya, tu es une honte. Mamadi Doumbouya, tu penses que la Guinée, c'est la concession de ton papa? Ou tu peux décider, diriger, faire ce que tu veux de la Guinée? On refuse Doumbouya. La Guinée ne t'appartient pas. Hein? Ce n'est pas ta concession que tu as construite ou la concession de ton papa. Ou la... Écoute, excusez-moi, vous savez, l'enfant... Même la concession de ton père, si tu as des compères là, tu ne peux pas décider seul. Donc il faut qu'eux y participent. Mais ce qui appartient à ta mère, par exemple la dot de ta maman, ça c'est pour vous, ces enfants. Vos confrères ils ne font pas partir. Donc Mamadi Doumbouya, la Guinée n'est pas cette dot. Mamadi Doumbouya, la Guinée n'est pas la dot de ta mère. C'est moi qui le dis, ce n'est pas une insulte. Tu ne peux pas prendre la Guinée en otage. Mamadi Doumbouya, la Guinée n'a tengené. Toi, tu peux dire qu'au ministre, tu les pousses à voler, tu les pousses à s'installer. Tu penses qu'on va vous laisser en Guinée là-bas? Vous allez dégager. On y arrive. Où est-ce que vous Ils sont venus s'enrichir là-bas. Tu veux aussi plus vous direz là-bas, plus que vous volez. On refuse. Là-bas, le CNRD, vous allez dégager. Je vais vous dépister. Je vais montrer au monde qui vous êtes. Moi, je me suis tue. Moi, je n'aime pas parler. Hein. Je ne voulais pas parler. Je ne voulais pas rentrer dans cette danse. Mais maman dit, je te jure, tu vas partir. Je vais me lever la nuit, prier, faire toute prière que je connais. Quand tu pleures, tu demandes Dieu, il va exaucer. Je vais faire les prières là. Dieu va te faire partir. Il faut que tu dégages de la Guinée, Mamadi Doumbouya. Parce que ton 1m20, le courtois là, est là en train de te dire des discours bidons. J'ai entendu quelque chose, j'ai eu mal d'abord même.
Elle est où cette vidéo même? Ok. D'accord. Excusez-moi. La rencontre très attendue entre le président de on la va écouter, c'est pas là. Il y a aussi 6 minutes là. Des opérateurs. Il y a 6 minutes là où tu as dit tu es allergique à quoi? Douanière. Ok. Sur le marché. Face à une telle situation, il est normal de choisir la seconde option, car elle permet de restaurer l'équité fiscale auprès des opérateurs économiques et permet de soulager le panier de la ménagère. Panier de la ménagère, ça c'est Alpha Condé qui a parlé de ça. Mamadi Doumbouya, pourquoi tu veux maintenant faire les traces d'Alpha Condé? Parce que tu as dit Alpha n'est pas bon, Alpha est comme ça, Alpha est comme ça. De la ménagère, c'est la parole d'Alpha Condé. Lise, on ne veut pas que tu dises ça. Il faut créer tes mots. Tu inventes tes mots. Laisse que Alpha Condé a créé. Tu n'as pas honte. Tu viens, tu séquestres un président. Tu kidnappes un président. Tu le prives de son téléphone. Tu le prives de sa famille. Tu le prives de son enfant. Tu le prives de sa liberté. Et toi, tu vas venir dire quoi aux gens? Tu es une honte, Mamadi Doumbouya. Tu es un dé. Les personnes qui t'apprécient aujourd'hui, c'est des démagogues. Parce qu'ils sont là, ils veulent leur intérêt. Parce qu'eux-mêmes, aujourd'hui, qui t'entourent là, ils savent qu'ils ne peuvent être aux affaires que si c'est un homme comme toi. Un délinquant, un drogué, un PD, des PD. Est-ce que toi, je ne sais pas pour toi, excuse-moi. Je ne sais pas si tu es PD, ça, excuse-moi, je ne vais pas t'accuser. Mais je sais que tu es drogué. Mais il y a des PD qui sont avec toi. C'est des gens, c'est un poutiste comme toi, Mamadi Doumbouya, qui peut être avec des gens comme ça. Ils ne représentent, ce qu'ils n'ont même pas le charisme. Regarde, des gens, comment ils sont. Vous pouvez parler au nom de la Guinée. On en a marre du CNRD. Allez-y vous faire foutre. Écoutez, que je suis allergique. À quoi? L'injustice. Non, Mamadi Doumbouya, arrête d'insulter le peuple, Yandi. Regardez. Je suis un homme juste et je suis allergique à l'injustice. Toi, tu es un homme juste. Tu es un homme injuste, Mamadi Doumbouya. Tu es injuste. Tu es malhonnête. Tu es assassin. Tu es ingrat. Tu es traître. Toi, c'est moi qui le dis et le peuple peut confirmer. Mamadi Doumbouya, est-ce que tu connais... Hey, 1m20, arrête d'écrire des discours du n'importe quoi tu donnes à cet homme. Parce que là, c'est une insulte au peuple de Guinée. Mamadi Doumbouya, tu es juste... Il est où Alpha Condé? Tu es juste... Où sont les corps des personnes que tu as tuées pour aller t'asseoir là où tu es aujourd'hui? Toi, tu es juste Mamadi Doumbouya. Est-ce que c'est le peuple qui t'a mis où tu es, Mamadi Doumbouya? Est-ce que c'est les élections présidentielles, élections libres et transparentes qui t'a mis là où tu es? Toi, tu es juste Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, tu es injuste. Mamadi Doumbouya, tu es assassin. Mamadi Doumbouya, tu es un traître. Mamadi Doumbouya, tu es un drogué. Mamadi Doumbouya, tu es un ethno. Mamadi Doumbouya, toi tu peux dire tu es juste. Mamadi Doumbouya, où sont tes frères avec qui tu as fait le coup d'état le 5 septembre? Ils se retrouvent aujourd'hui. Ils ne sont pas à la maison centrale. Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, ils ont obtenu une liberté provisoire où toi, tu as refusé et tu as pris, tu mets sur Bala comme Bala est ton... C'est que c'est Bala n'era nyogesa sera. Bala, c'est ton sacrifice. Bala sait que... Toi, tu sais que Bala... C'est que, tu sais, Bala veut le pouvoir, son poste-là à tout prix. Donc, même quand on prend, tu prends caca, tu mets là-bas, tu dis à Bala de manger, il va manger pour ne pas qu'il refuse. Et que toi, tu l'enlèves à son poste, son rêve qu'il a rêvé toute sa vie. On dirait, quand il va mourir, il va aller avec ce poste. Mamadi Doumbouya, toi, tu es juste. Où sont les corps? Mamadi Doumbouya, toi, tu es juste. Mamadi Doumbouya, où sont tes frères que tu as tués? Il y a des chrétiens, il y a des musulmans, où sont leurs corps? Mamadi Doumbouya, toi tu es juste, tu tues des gens, tu refuses qu'on les lave, tu refuses qu'on les prie. Eh Mamadi Doumbouya, Mamadi Doumbouya, même quand des gens meurent dans les océans, là, dans les mers, ils vont tout faire pour retrouver leur corps et les
laver et leur prier et puis les enterrer. Toi, Mamadi Doumbouya, parce que tu ne veux pas que les gens chassent ce que tu as fait. Tu as tué combien de personnes dans le palais Sékou-Touré-A? Tu as refusé de montrer les corps. Tu as refusé de rendre les corps. Eh! Toi, Mamadi Doumbouya, tu es juste. Mamadi Doumbouya, tu es injuste. Mamadi Doumbouya, tu es un traître. Mamadi Doumbouya, tu es un assassin. Mamadi Doumbouya, tu es un traître. C'est moi qui le dis. Et je n'ai pas menti sur toi. Montre-nous les corps des morts. Montre-nous les corps de tes frères que tu as tués. Mamadi Doumbouya, toi tu es juste. Toi tu peux prendre des musulmans et des chrétiens. Tu les rassembles, tu les mets dans une fosse commune. Parce que tout simplement tu ne veux pas que le monde chasse. Tu as tué combien pour être là où tu es aujourd'hui. Mamadi Doumbouya, Dieu fera le combat de ces gens-là. Tu vas très mal finir. Mamadi Doumbouya, tu es toi, tu es né, tu as ta mère qui vit, tu as tes soeurs, tu as ton frère, tu as ta femme, tu as tes enfants. Ce que tu as fait, tu penses qu'aujourd'hui, si c'est toi qui étais à la place des gens-là, ta femme allait être heureuse, ton enfant allait être heureuse, contente, ta maman allait être contente, tes soeurs allaient être contentes, ton frère allait être content. Si c'est toi, on tuait et puis on refusait de prendre ton corps et puis rendre à ta famille. Parce que tout simplement, tu es affamé du pouvoir. Mamadi Doumbouya, toi et moi, Oumbara Abako. Bontamfri, Oumbara Abako. Moi, personne ne peut m'intimider. Hein. Et je parle au monde et je ne t'accuse pas. Montre-nous les corps des personnes que tu as tuées. Montre-nous les corps. Est-ce que là, je t'accuse? Je ne t'accuse pas. Hein. Moi, je n'ai pas voulu faire ressortir qui tu es. Toi, tu es allergique à l'injustice. Hé, hey, toi, 1m20 qui est là en train de mentir, tu sais, tout le monde savait ton salaire à espace là. Pardon, tes discours bidons là, vos mensonges que vous avez dit aux gens là, hé, hey, attention à vous. Même, vous m'avez rappelé, Joël, faire du briefing. Espace FM, vous avez sorti, il y a une femme qui est sortie dire qu'elle a été kidnappée. C'est vrai, c'est pas vrai, moi je ne sais pas. Mais ce que vous êtes sorti dire aujourd'hui, il n'y a rien. Quelles sont vos preuves? Vous êtes venu dire quoi là-bas? Parce que tout simplement, vous étiez envoyé par la gendarmerie, par le chef des gendarmes qui sont là aujourd'hui, Bala Samoura, pardon, pour ne pas saluer l'image de sa gendarmerie aujourd'hui. Et encore, Mamadi Doumbouya, pour ne pas dire que parce que Doumbouya est là, il y a l'injustice, c'est que il y a l'insécurité au pays, je voulais dire. Vous voulez changer le débat, allez, hey, quittez devant nous, on vous connaît espace, nous on ne veut pas assez. D'abord, nous-mêmes on s'en fout de vous dire parce que vous êtes des malhonnêtes, vous êtes des menteurs. Vous êtes des diviseurs, vous êtes des perturbateurs, vous êtes des haineux. Vous avez divisé les Guinéens, vous, Espace FM. Nous, on vous connaissait. Hein? La seule personne qui ne connaissait pas qui était vous, c'était celui et ces militants de l'IFDG. Ils ont compris, eux, maintenant aussi, qui vous êtes. La personne qui a mis celui dans les horreurs, c'est cette radio qui est Espace FM. Vous avez fait croire à celui que tout ce qu'il faisait, c'était faisable. Tout ce qu'il faisait, c'était bon. Vous avez fait croire à celui qu'il était ségrégué. Vous, Espace FM, vous êtes la honte de toutes les radios privées en République de Guinée. Et ça parce que tout simplement, votre intérêt était bloqué avec le président de la République. Il a compris que vous étiez des malhonnêtes. Toute la nuit, vous partez dîner là-bas, vous commandez, on vous donne, et puis le matin, vous les insultez, vous les traitez de tous les noms d'oiseaux. Ils ont bloqué, ils ont raison. Et puis maintenant, après, vous vous êtes révoltés. Espace, vous êtes la honte. Vous êtes des diviseurs. Si votre radio n'existait pas, là, la Guinée, on allait vivre ensemble. C'est vous qui avez divisé les Guinéens. C'est vous qui avez fait croire à Seldou qu'il avait raison, que Seldou donne tout ce que tu es ségrégué. Et aujourd'hui, comme lui, il vous donnait à l'époque le mouton pour manger, aujourd'hui, vous avez eu Doumbouya qui vous donne le bœuf pour manger. Donc, vous ne pouvez plus voir Seldou Dalen, quoi, et ses militants. Vous êtes des escrocs, c'est moi qui le dis, Espace FM. Vous êtes la honte, c'est moi, Fatounier, qui le dis. Qu'est-ce que vous avez à dire aux gens? Arrêtez, hein? Moi je ne veux pas trop parler. Je ne veux pas vous déculoter de plus. Je vous connais. Hein? Je connais qui vous êtes. Vous êtes qui vous? Parce que la gendarmerie a été, ils ont dit,
Vous avez quelle preuve pour dire que la femme là, elle peut être kidnappée, il y a l'insécurité en Guinée, les gens ont faim. Et si ça continue comme ça, personne ne va dormir en Guinée. Dès que tu dors, on vient, on te prépare, on te mange. Parce qu'il y a eu la faim en Guinée qu'on ne peut même pas parler. Les gens ont faim. Doumbouya est venu, il s'est enrichi de l'argent de Alpha Condé. D'abord son argent propre Alpha Condé. Et tu es allé. Mamadi Doumbouya, s'il te plaît. Donc Espace FM, vous qui traitez de cette fille-là, d'après ce que Espace a dit là, est-ce que vous avez rencontré la famille de la fille? Est-ce que vous avez écouté le mari de la fille? Et je vais vous dire, moi je vais vous dire, hein, un jour, j'étais à la DPJ, j'ai demandé ce que je voulais, il y avait un numéro que je voulais savoir la personne était où. Quand ils ont appelé Orange et tout, on nous a dit les procédures. Ça nous a dit que la personne était équipée, tandis qu'il n'était pas équipé. Quand ils m'ont dit la personne est équipée, je dis non, il n'est pas équipé. Ils ont dit non, ils ont localisé, il est équipé. Je dis il n'est pas équipé. Et il n'était pas équipé. De là-bas, j'ai quitté. Là où la personne était, je suis allée, il était là-bas. Donc, deux fois, votre localisation là, hey, on se connaît dans ce pays là. Donc, de fait qu'on a parlé de la gendarmerie là, et vous savez à l'heure là, c'est Bala Samoura, votre boss et Doumbouya. Donc il faut mettre tout sur la femme. Moi, s'il y a une femme qui dit, on dit aujourd'hui, une femme au-delà de 18 ans qui s'est perdue, sincèrement, je ne vais pas trop m'inquiéter. Parce que je sais, elle peut voilà, aller voir son homme, elle peut faire certaines choses et puis après, je ne vais pas trop m'inquiéter parce que voilà quoi. Sauf si ça prend certains jours, je vais dire, ah ça commence à être compliqué et tout. Voilà. Mais sinon, c'est pas mon problème. Mais ne venez pas pour honorer votre aujourd'hui boss qui est Doumbouya et Bala Samoura, la gendarmerie, venir tout. Oh, son mari a dit quoi? Vous avez entendu son mari? Il faut faire attention à ce que l'Espace dit. Espace, c'est une radio à se méfier. Espace, c'est des vendus. Espace, c'est des traites. Regardez, tout le temps, il y a Lamine Guirassy connaît le directeur de Air Guinée. Pourquoi il n'a jamais amené cet homme? C'est quand ils ont invité celui-là à refuser qu'ils ont allé prendre cet homme-là. Et puis c'est des gens qui te sourient, te font mal. C'est des traites d'Espace. C'est une honte cette radio. C'est une honte cette radio. C'est une honte. Je ne dis pas à tous les travailleurs, hein. Je ne connais pas tous les travailleurs parce qu'il se peut y a beaucoup de travailleurs. Mais ceux que nous, on connaît là, vous autres là, vous connaissez. Vous n'êtes pas plus de 5 personnes là. Vous êtes des malhonnêtes. C'est moi qui le dis. Vous êtes des traîtres. Vous êtes des diviseurs. Commencez d'abord par votre boss, Lamine Guirassy. Lamine Guirassy, toi tu me traites d'insolente. J'ai bien fait. C'est parce que tu es un traître, tu es un démagogue. Tu veux l'argent à tout prix. Tu as fait croire à Seloud Alain qu'il avait raison. C'est toi qui l'as poussé à se victimiser. Tu es toi qui l'as fait, c'est comme s'il avait l'acharnement. Et aujourd'hui, tu le lâches. Parce que tu n'as plus besoin. Vous êtes très dangereux. Des hommes comme vous, pour vous, comme vous là. C'est ce qui fait que moi, je m'en fous d'être aimé par certaines personnes. Parce que t'aimer tant que tout, c'est bon. Et le moment où tu as besoin de gens, il n'y a personne derrière. Qu'Allah éloigne toute personne qui est comme ça dans ma vie. Qu'il ne sait que même bonjour. Ah ouais, maman dit Doumbouya, moi je dis, toi tu peux dire que tu es juste. Toi tu es allergique à l'injustice. Tu es injuste, maman dit Doumbouya. Tu es venu avec tes magistrats. Maman dit Doumbouya, où sont tes petits de force spéciale? Pourquoi Ali est toujours en prison avec ses hommes, ses petits? Pourquoi la justice a ordonné leur liberté, malgré leur liberté provisoire? Ce contrôle judiciaire, ils ne vont pas toucher à l'arbre, ils ont leur passeport. Ça ne te suffit pas, Mamadi Doumbouya. Moi, je te dis, Wallahi, Billahi, Tallahi, tant que les forces spéciales et mon frère est en prison, on ne va jamais conjuguer le même verbe. C'est moi qui te dis. Je vais te sabrer matin, midi, soir. Je vais dire au monde qui tu es. Ça, c'est clair et net. Donc, ne tentez même pas. Mamadi ne peut pas, moi, mettre mon frère en prison. Vous savez, je suis partie où et où pour négocier, pour voir comment ils vont le libérer.
Même le ministre de la Justice dit, tant que Doumbouya ne dit pas qu'on libère mon frère, il ne va pas être libéré. Il y a une dame qui est allée voir ce dernier. Parce que moi, quand on parlait, je dis, je ne pars voir personne. Je ne viens voir personne. Il faut aller. Quand c'est bon, il faut aller. Je suis allée voir certaines personnes. Je suis allée voir certaines personnes qui ne sont pas ministres, qui sont proches, qui peuvent dire, mais je sais ce que les gens m'ont dit. Quand ils appellent au téléphone, le téléphone est là au parleur, j'entends ce que les gens disent. Ah, les enfants là, c'est monté, c'est descendu. Parce que nous, on n'est pas manipulables. Hein. Nous, on ne nous utilise pas. Alpha ne nous a jamais utilisés. Senkon Kaba a toujours été contre ce que moi je faisais sur les réseaux sociaux. Il ne me voulait même pas me voir sur Facebook, Mamadi Senkon Kaba. Il s'est toujours opposé. On est comme ça et souris. Il n'a jamais aimé. Il dit, Fatou, je n'aime pas te voir sur les réseaux sociaux. Je n'aime pas t'entendre insulter. Laisse les gens t'insulter. Tu es proche du pouvoir. Ils vont te traiter de tous les noms oiseaux. Ne réponds pas, Fatou. Je dis, grand frère, je vais te répondre. Fatou, je te parle. Alors je dis, il ne voulait pas. Il ne nous a jamais utilisé. Il était contre ce que moi je fais. Il ne voulait même pas me voir sur Facebook, Senkou Kaba. Nielo, on n'en parle même pas. J'ai dit à Alpha Condé, je lui ai dit, Fatou, je ne veux pas te voir sur les réseaux. Arrête de repliquer. Les gens jouent contre les gens. Je dis, papa, tant que les gens là, eux là, ils n'ont pas autre arme si ce n'est pas les gens jouent. Donc, s'ils nous insultent et nous, on se tait, ils vont penser, ils disent, laisse-le. Moi, on m'insulte, on me traite de tous les gens. Je dis, vous et moi, nous ne sommes pas les mêmes. C'est vous, c'est Alpha Condé, c'est vous êtes présent, c'est vous êtes homme, c'est moi, je suis femme, c'est moi, c'est Fatou Nielo. Donc, nous ne sommes pas les mêmes. On n'a pas le même cœur. Je ne suis pas comme vous, je ne peux pas être comme vous. Je vais répliquer. Il me dit, laisse. Donc, on ne m'a jamais utilisé. Et j'ai prouvé au monde entier, je n'étais pas envoyée par Alpha Condé. Du 5 septembre de nos jours, et puis, je serai aussi très méchante. Parce que moi, je m'en fous de qui que ce soit. Personne ne me nourrit. C'est quand tu te respectes, je te respecte. Tu ne te respectes pas, je vais t'aider à rentrer dans tes veines là-bas. Là. Je vais te yuguyaga comme bon me semble. Je rentre, je te yuguyaga, je sors. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. J'ai deux enfants. J'ai ma vie. J'ai l'avenir de mes enfants. J'ai tout ce qu'il me faut. Je me suffis largement. Et j'ai quelqu'un qui m'aime de tout ce que... Il m'aime comme il me prend, il me met dans son ventre. Et ça me va largement. Et je l'aime, il sait bien. J'ai créé problème. Donc ça me suffit, hein. Je ne me soucie pas de quoi que ce soit. J'ai une vie normale. Ça là, c'est une vie virtuelle. Ceux qui me connaissent là, ils savent bien que je suis une très bonne personne. Je suis adorable. Même quand tu entends mon allo, on parle une fois, deux fois, tu veux tout le temps parler avec moi parce que j'apporte en fait. J'apporte. Je ne suis pas ce que les gens pensent de moi, mais je suis fière que chacun pense de moi à sa façon. Parce que si tout le monde voyait mon côté humain là, mon côté noble là, mon côté sage là, mon côté douce là, je n'allais pas respirer avec les gens. Donc, les gens n'ont qu'à penser de moi ce qu'ils veulent. Moi, ça m'arrange. Je vais lire ça. Donc, moi, j'en ai rien à foutre. Je ne suis pas payée par quelqu'un. Je ne serai pas payée par quelqu'un. Et ceux qui disent que non, Fatou, écoutez-moi, très bien, je vais vous dire qui je suis, hein. Ceux qui disent, non, Fatou, tu sais, ton frère est en prison, il faut faire semblant. Je ne suis pas née ce jour de faire semblant. Je suis moi-même, je suis sincère, je suis directe. Je n'ai peur que de Dieu, je ne crois qu'en Allah. Mon destin, je ne peux pas l'éviter. Ce que Dieu a destiné pour moi, quelle qu'en soit la haine que qui que ce soit a pour moi, je vais l'avoir. Donc, je ne peux pas faire semblant pour faire plaisir aux gens. Je peux te faire plaisir, mais pas en faisant semblant, en te blaguant. Ou me blaguer. Je ne vais jamais me blaguer, moi. Quand je vais le faire, je vais le faire. Quand je vais soutenir Doumbouya, je vais le soutenir avec cœur ouvert.
Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un pour me demander, Fatou, pourquoi tu soutiens Doumbouya? Je le soutiens, je suis guinéenne, je suis libre de soutenir qui je veux. Je le soutiens, je dis mes raisons pourquoi je le soutiens. Je ne le soutiens pas, je vous ai dit mes raisons ici pourquoi je ne le soutiens pas. Il ne peut pas prendre moi, mon petit frère, lui foutre en prison à cause d'injures pendant les campagnes. Tandis qu'il y a des milliers de gens qui sont là-bas, qui ont insulté, qui ont fait tout. Eux, ils sont là, personne d'entre eux. Et après, même la grâce, il a gracié des gens, il a laissé mon petit frère. Après, Hadja Prezi a été gracié hier, avant-hier. Et ça aussi, c'est entre deux individus. C'est pour vous prouver la haine que cet homme Doumbouya a pour nous. Il ne nous aime pas. On l'a tellement pompé, parlé de nous. J'ai voulu faire de Doumbouya. Mais comme l'entourage, c'est des gens qui n'aiment pas Alpha Condé qui l'entourent aujourd'hui. Et c'est des gens qui ne nous digèrent pas. Ils n'ont tellement parlé de nous que même lui, maintenant, à cause des gens-là, il nous hait. Moi, j'ai laissé tout ça. Je dis, je m'en fous, il n'a rien à me donner. Tout ce que je peux faire, c'est de rassurer les gens et puis voilà quoi. Je suis suivie, Doumbouya. Moi, je suis vraiment suivie, moi que tu vois là. C'est passé. Il a gracié, on a compris que la grâce, il pouvait faire avec mon frère, mais il ne peut pas le faire parce que non seulement il est entouré des traîtres qui n'aiment pas Alpha, qui ne peut pas nous aimer, et aussi pour faire plaisir à l'IFTG. Ça, c'est passé. On a tous vu, je suis sortie vous détailler par A plus B comment Nilo a été arrêté. Et qu'est-ce qu'ils ont voulu pour notre réconciliation? Ils ont voulu profiter de l'arrestation d'Ousmane pour nous réconcilier avec Selou. Je dis jamais, moi, je ne vais jamais accepter qu'on fait dire, ah, gars, c'est Alpha qui utilisait les enfants là. C'est Alpha parce que c'est ce qu'IFDG a voulu faire, montrer aux gens. Ah, c'était pas nous, on était poussés par Alpha. J'ai refusé. C'est pas Alpha Condé. Je vais jamais accepter qu'on mette ça sur lui. Sur la tombe de mon père, je me disputais avec Alpha. Il dit, laisse Selou. Un jour, il me dit, est-ce que toi, tu n'es pas fan de Selou? Pourquoi? Laisse-le. Donc, il n'était pas pour ce qu'on fait. Tonton peut témoigner, comment je vais dire, Salim Cissé, quand le président lui a dit de me mettre dans le bureau politique, je l'ai dit jamais. Il dit bureau des femmes, je dis non, jeunesse. Il dit pourquoi? Je dis parce qu'ils vont m'insulter, je vais payer pour moi, je ne peux pas être de membre du bureau politique et puis je vais faire certains comportements. Je sais, ils vont nous attaquer, ils vont nous insulter, je suis préparée déjà à ça. Donc laissez-moi avec la jeunesse, laissez-moi, mettez-moi dans le bureau de la jeunesse. C'est ce qui s'est passé. Donc, Doumbouya, moi, vous qui dites là, fais d'attention, fais à cause ton frère, fais semblant. Je ne peux pas faire semblant. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un sur Facebook ici. Hey, Adia, stop, please. Y'a tout ça, Bidjemane. Billahi Moutata, y'a tout ça, Bidjemane. Prends ta clé, tu ouvres la maison. Tu as ta clé, Adia. Oh. Donc, c'est ce qui s'est passé. Doumbouya ne nous aime pas. Je ne peux pas faire semblant. Je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit, moi, Fatmata Bint Diallo. Je vais faire quelque chose, je vais le faire avec un cœur propre. Ce qui fait que je ne vais jamais, tout ce que moi je fais, je ne vais pas regretter. Parce que je ne le fais pas pour obtenir quelque chose. Je le fais parce que ça vient au fond du cœur. Et quand je veux me mettre dedans, je veux me mettre, moi, je ne vais pas envoyer un pied et laisser l'autre. Moi, quand je suis dedans, je suis dedans. Je ne suis pas dedans, je ne suis pas dedans. Donc, je ne peux pas. Mon frère est en prison. Tout ça, on a démontré ici l'injustice qu'ils ont fait subir à mon frère. Tout ça, je vous ai montré par A plus B. Après aussi, un autre tour aussi, encore de nouveau mon tour, qu'est-ce qui se passe? On me condamne un jour, 4 ans. Doumbouya est là. Son CNRD est là. Et le pire, c'est le CNRD qui ont appelé le juge pour me condamner. Ils ont crié sur le juge de fait que le juge a dit que le ministère public a dit que son parquet, ce n'est pas un règlement de compte. Et puis moi, je vais m'asseoir encore parce que tout simplement aujourd'hui, le CNRD, il y a beaucoup d'entre vous qui ont compris, c'est pas Selou qui l'a poussé à faire le coup d'État, il a fait un coup, son coup. D'après vous, un coup d'État, moi je sais, il a fait un coup d'entrain. Maintenant, de fait que vous vous êtes rassuré, il n'est plus à comme ça avec Selou. Donc maintenant, vous pouvez le soutenir et puis moi, je dois le soutenir. Je ne vais pas le faire. Vous avez une plainte qui vous attend? Vous avez une justice manipulée qui vous attend? Non, il y a des moments. Moi, aujourd'hui, imaginez quand je peur quelqu'un. À
Astaghfirullah, quelque chose arrive à ma mère. Je ne peux pas aller assister à quoi que ce soit. Mes soeurs, mes frères, à cause de l'injustice. Et puis moi, je vais m'asseoir ici parce que Doumbouya, il est Doumbouya. Moi, je m'en fous. Quand il fait des choses qui sont bien, je vais dire que c'est bon. Ce n'est pas la tête de Doumbouya que je vais haïr. C'est son attitude et son comportement. S'il est juste, je vais être juste avec lui. S'il est injuste, je vais lui dire et montrer au monde qu'il est injuste. Donc moi, ce n'est pas sa tête qui m'intéresse. Je ne suis pas le chercheur de quoi manger. Je ne suis pas chercheur. Je ne suis pas comme les diasporas qui n'ont rien eu. Ils sont venus se mettre à pagailler ici, là. Après, maintenant, ils n'ont rien eu. Ils sont rentrés en Guinée, là-bas. Ils sont là-bas. Donc, ils veulent avoir tout, à tout prix. Même si Doumbouya a dit vert, ils voient bleu. Ils vont dire non, c'est vert. Moi, je ne suis pas cette personne. D'accord? Moi, je ne te suis pas pour ce que tu as, mais pour ce que tu es. Et l'amour que, la politique de gens que j'ai fait, l'amour, mon âme que j'ai pris, j'ai donné à Alpha. C'est limite Alpha Condé. Maintenant, même si c'est qui, tu veux que je te soutienne, tu vas me soutenir. Je t'accompagne, tu m'accompagnes. C'est clair et net. Maman.